Bonjour les curieux, je suis heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode des Mystères de l'Univers. La semaine passée, je vous parlais de la matière noire. Cette semaine, nous allons nous pencher sur notre univers, et plus particulièrement sur sa création, qui reste le plus grand des mystères à ce jour. Vous allez voir qu'il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ses origines. C'est parti! La création de l'univers reste une des questions que beaucoup de monde se pose. Nous sommes actuellement en train de reconstituer les premiers moments de l'univers. Mais sa véritable origine reste encore un mystère. Il y a pas mal de théories différentes, l'univers quantique, l'univers plasma, le Big Bounce, et je ne les ai pas toutes citées. Entre autres, pour certains, l'œuvre d'un créateur. Mais pour ma part, une explication scientifique semble beaucoup plus plausible. Si vous êtes curieux de connaître en détail les théories, n'hésitez pas à me dire en commentaire, on pourrait peut-être faire un épisode là-dessus. Mais la théorie la plus communément admise est celle du Big Bang, dans laquelle notre galaxie s'est développée à partir d'une singularité extrêmement chaude et dense il y a environ 13,8 milliards d'années. Le Big Bang se serait ainsi produit partout dans le cosmos de manière simultanée. Ce n'est pas une explosion dans l'espace, mais une explosion de l'espace. Même s'il reste encore beaucoup d'inconnus, le fait est que plus tôt nous remontons dans l'histoire de l'univers, et moins nous le comprenons. Alors que nous avons eu un bref aperçu de ce dernier alors qu'il n'avait que 300 000 ans grâce au télescope Hubble, les scientifiques spéculent encore sur les forces extrêmes en jeu pendant les premiers moments de l'univers. Par ailleurs, nous ne comprenons pas complètement l'aspect quantique de la gravité. Si nous voulons déchiffrer pleinement la création du cosmos, nous devrons avoir une connaissance globale des lois de la physique qui régissent la matière et l'antimatière. Le jour où nous aurons pleinement saisi la nature de l'antimatière et son action avec la matière, nous n'aurons peut-être pas de réponse définitive à l'origine de l'univers, mais en revanche, nous nous rapprocherons beaucoup plus de la compréhension de la façon dont il est apparu. Voilà les curieux, encore un mystère de l'univers, et pas des moindres, qui nous reste à élucider, et franchement, c'est quand même pas gagné. Si vous aussi, vous avez une théorie sur la création, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on en échangera ensemble, et pourquoi pas, trouver peut-être son origine. Si cette vidéo vous a plu, on lâche un pouce en l'air, et on s'abonne en cliquant sur la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mystère de l'univers. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao et bye les curieux.